Bon, on a plusieurs takes du coup à reprendre. Donc vraiment, on va abandonner la Warmog. Je vois que ça à chaque fois. Et surtout, il y a 40 000 choix différents dans les games. Donc c'est intéressant. J'ai regardé un petit peu ce que les Coréens faisaient. Vu qu'en Europe, là, il n'y a plus aucun gros joueur de Mundo. Et en gros, bah, par exemple, le meilleur Coréen qui joue Mundo, lui, il joue Flash. Mais surtout, il max le E. Il met 3 points dans le A. Et ensuite, maxing E. Il joue des fois avec des tabis ninja, donc pas tout le temps avec les bots de célérité. Jamais de Warmog, là il n'y en a aucun des Mundo qui joue Warmog dans les top niveaux. Enfin, dans les deux plus hauts niveaux. Je suis en alt-tab, j'avoue. Et ouais, du coup, faut se stuffer rapidement, quoi. Faut se stuffer rapidement après le cuirassier, mais ça je l'avais déjà dit un peu. La draft s'envoie pas du rêve. Non, clairement, elle est horrible. Mais c'est pas grave. Il y a une bot lane ensemble, alors que moi j'ai Janna, Lucian, j'y crois moyen. Bientôt top 1 EU West avec Mundo. Mais non, mais j'aimerais bien le sortir. Après, je le dis, je le répète, Mundo pue un peu sa mère quand même en ce moment dans la méta, donc c'est pas simple. Mais j'ai envie d'apprendre à le gérer. Et comme je dis, ouais, lui il joue Flash. Son marteau chargé. Lui il joue Flash et... Alors sachez qu'il aurait fait plus de damage en étant en range que corps à corps là, le Jace. Ça, il vient de s'en rendre compte. Et ouais, du coup je pense qu'il max le E parce que comme vous dites, soit meilleur wave clear, soit c'est aussi le timing où tu vas commencer à avoir le cuirassier. Et du coup tu peux mettre des meilleures patates. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir. Et en niveau CD, ça change énormément ou pas? Hein, il n'y a pas de CDR qui change du tout sur le Q-Spell, là où le E aussi, il diminue vachement. Mais le Q-Spell niveau 1, il fait pas de damage, donc il le met niveau 3 juste pour avoir un confort. Alors contre des ranges, il max quand même le Q-Spell, j'ai l'impression. On va dire que Jace va être une expérimentation. Tu es sur le compte principal? Non, toujours le Smurf. Non, tant que mon Mundo est pas parfait... Pas parfait, il sera jamais parfait, même mon Kled ne l'est pas, tu vois. Mais tant qu'il n'est pas plus maîtrisé encore, on continue de bosser dessus. Allez, Krypton. Oh, il est concentré là à tirer. Enfin, il s'est concentré pour me lâcher la pire boulette du monde et je me la prends quand même. J'ai mérité. Ils sont en train d'écrire sur le move alors qu'ils sont au milieu de la lane. Il est parti à batteur first item le Jace. En vrai, vu le matchup, pourquoi pas. Mais il me met pas de pression donc ça me va. Vu que t'as pas de stuff, c'est pas très intéressant. De toute façon, Max. Ouais, non, mais. Puis même, comme je dis, le A est nul en early. Bon, ces boulettes sont très très lentes donc on pourra le jouer. Il fait pas le combo classique. J'ai un petit 800 gold. Je veux bien back fast histoire d'avoir un petit début de stuff. Je pense qu'on va préférer les 300 HP au reste. Ok. Alors Tamkench qui arrive à faire des trucs avec son Eldorado en plus. J'essaie de le faire patienter. Il a l'air d'avoir envie de rester un peu. Ok, on a les 3 points dans le A. Maintenant, il faut que je pense à monter le E. Ah oui, la potion direct quoi. Il a pas... Un petit cookie, c'est dit. Miam, miam, miam. Il est en full PVE. Après, il a un bon perso pour PVE. Mais c'est vrai que, comme je dis, le fait de pas jouer aggro... Ouais, il a repris un cookie, mais... Déjà, cookie Jace dans Mundo, je pense que c'était un peu bizarre, mais... Est-ce qu'il pense encore que c'est de la mana? Parce qu'il manque un peu de mana, là. Il a envie de jouer agressif, il y a peut-être la heli stop. Par contre, le fait qu'il joue flash en face, enfin en face, l'OTP Mundo là, en chal,
ça m'intrigue un peu, mais l'autre gros Mundo aussi qui est dans les 400 et quelques LP en Corée, lui il joue Ghost, donc c'est dur de... Ouais, je suis en mode, t'as un HP frérot, je vais pas te laisser... Je vais pas te laisser farmer. Il perd toute la wave. Je pense que j'ai pas trop le choix que de back maintenant. Même s'il va téléporte. Bah, c'est trop tard en vrai. Par contre, attends, il y a peut-être... Ah non, je voyais le time catch monter. Bon, essayant de faire un fast back, ça allait être compliqué. Ah, je pense vraiment qu'il a pris les cookies en pensant que ça donnait de la mana, ouais. Ça fait un bon gros patch, je crois que c'est plus le cas. Putain, il potion fast, hein. Oh là où je prends bien mon time de mon côté, mais... Il potion très très rapidement, hein. Ok, montez-le. Par contre, de ce que je voyais du coréen, ça a l'air d'être un peu la même chose que... Qu'est-ce que j'avais vu sur Mundo. On est quand même un champion qui... Qui souffre un peu, là. Sur l'early. Le Z il fait quoi en gros? Tu vas faire des petits dégâts autour de toi et tu vas régénérer des points de vie en fonction des dégâts que tu vas bouffer. Tu vois là par exemple j'ai bien régène. Et beau gang. Ouah, la Shanna qui a instant Q. Elle était pas loin de KS. Mais well played. Elle a failli me le KS en vrai. Et ouais, ça augmente pas mal mon AD de base. Alors ça me met pas à l'aise parce que le problème c'est que la Elise elle avait l'air de monter. Ouais. Ah y'a Nautilus avec. Ah, après la wave et push. En fait c'est le seul problème, c'est que la Janna aurait jamais dû die sur ce timing là. Faut que je puisse avoir ma wave tranquille. T'es un peu malon contre... Ouais, je max le. Mais c'est vrai que c'est déjà 61 d'AD en vrai. Aïe. Ok, il y a la tornade quand même. Ça tue pas. Attends, mais... Time catch mid, anneau de Doran, ceinture du géant, j'ai jamais douté. Qui a douté dans le chat? Personne. La Janna qui se plaint d'avoir pris 900 de dégâts de Xerath en mode c'est broken l'ulti de Xerath. On va pas lui expliquer qu'elle a un perso full mobilité avec des bottes de sécurité et que si elle dodge elle prend moins de damage ou... Personne n'a douté, tout le monde était en mode oh sympa la draft. Merci Rominé. Ah. Il y a juste qui est passé par là au final. Ah mais elle voulait juste me gank. Descends. Descends j'ai dit. C'est débile un peu time catch. Ouais mais après bon time catch mid les gars quoi. Il y a un moment donné.
C'est vrai que même avec le Z pour pouvoir push les waves. Non, ok, je. J'aime bien le max E là. Il y a un truc. Il y a une lane qui est. Sûrement plus profitable. Et comme on dit, le CD réduit. C'est pas ridicule. J'ai mon petit cœur acier. Bon, par contre. Même si. Là, par exemple, j'ai vu que même ils faisaient le coréen des fois les bots de Mercure, mais. Même si là, ils sont chiants dans leur compo, globalement, je prends des bots rapides, non? On peut go fast là, un peu. C'est ça en fait, le wave clear est insane. Bien ça. On est en full. Full topside. Non, mon petit kill. Oh, Tam Kench. Oh, il a hit jusqu'au bout quoi. En vrai, il joue, hein, le Tam. Aïe. Il joue de ouf, le Tam Kench. Il est en full rota. Et déjà, c'est pour ça, moi, je vous conseille, quand vous n'êtes pas à 100% sur un perso, là, tu vois, on commence à bien comprendre les bases du champion. C'est un peu gris, tout ça, mais... Mais en ayant appris les bases du champion, là je suis allé regarder sur le site Diplol un peu ce que les meilleurs joueurs faisaient sur Mundo. Et je me suis dit, ok, il y a des trucs. Il y a des trucs avec le perso. Oh, je suis allé dedans, frère. Il a pris l'aggro de la tour, du coup. Ça va bien. J'ai une belle TP à faire derrière, mais elle va fade. Non, elle va fade. Putain, depuis tout à l'heure, je voulais. Le Jay se barre là. Ok. Et du coup, ouais, deuxième item directement, on se prend pas la tête, on part sur du gros stuff. En vrai, j'avoue que t'as un Tam Kench Mundo qui te fonce dessus. la duo de Golem. Oh, j'ai. Ah. J'ai. Oh, ce qu'on vient de faire, genre les pauvres. C'était si golémique. En vrai, le Tam Kench est grotesque. Il va prendre toutes les plaques top quand même. Le Jace là-dessus. J'ai le deuxième item à 13 minutes 40. C'est même plus une partie. J'tonk. Avec 95 d'AD, hein. Pas eu. C'est trop grave. What? C'est quoi ce flash? Oh, t'es pas obligé d'essayer de maximiser un DPS qui n'est pas important. J'ai pas pu stacker. J'ai pas pu stacker pendant toute fight, ça m'a saoulé. Ils sont relous. Le Tam Kench carry, mais il carry de fou. Ouais, c'est une dinguerie les golds que j'ai du coup dans la game, je m'en rendais même pas compte. Et tu vois, dès que j'ai un early game où mon jungle ne run dans pas le topside, c'est tranquille en vrai. Hein.
Ah, le time change, il arrive plus facilement à atteindre la backlane, j'avoue, il stack plus. Actuellement, il stack le petit père. So slow with... Non mais, une Janna qui se plaint d'être trop lente. On est vraiment sur le booming of all time, là. Ah, oh, il s'est pris un stop. Pas Warmog sur Mundo, du coup, non. Après, je le prenais parce que ça m'amusait à cet elo, mais en vrai, c'est pas le plus opti. Encore à voir contre certains match-up, peut-être, mais... Allez, mon E me donne 107 d'AD. Alors je vais pas cliquer sur ce truc mais... La mandale. En mode non. Arrête. En fait, c'est juste que la Warmog, c'est un confort de fou, mais au final, c'est vrai que c'est moins bien. Run. J'arrive. Je crois qu'il m'a pas vu. Si, quand même. Lucian ? Lucian ? Mais... Un allié a été tué. Et le Lucian est... Oh. Oh, angle gratuit. Ah, oh, face rush, triche. Donne. Donne. Proc de poigne. C'est sympa quand même. C'est sympa quand même. 2000 HP régène. En fait, vu qu'il pensait à chaque fois me tuer, il faisait un petit demi-tour et à chaque fois qu'il faisait demi-tour, il y avait le proc de mon item. Il y avait le proc de mon item qui arrivait et du coup, il était en mode ah non, il a trop d'HP. Puis après, il fait oh quand même, les points de vie descendent. Ah non, il a trop d'HP. Ils ont fait le même pattern H24. Et tu vois, mon Q-spell est même pas encore maxé donc j'avais pas le E de max. Non, en vrai, c'est pas mal. Alors qu'on a, on a une patate toutes les 4,6 secondes. Ça permet d'être plus actif. Oh, il l'a fumé, frère. Ok, ok, en vrai, c'est trop bien de cook sur un champion. Enfin, là, j'ai rien de cook, hein, mais que les Coréens le fassent pour moi, ça m'est bien. Hein. Ça me met très très bien. Il y a toujours des choses là... à trouver sur les sites pour regarder un peu ce qu'ils font. Il titanesque, non, en vrai, c'est pas un bel item sur lui. C'est un item très drôle, mais c'est pas ouf. Ah là, j'avoue que j'ai bien stacké. J'ai rattrapé le time catch. Par contre, respect en face, ils s'affaiblent pas. Mais... Après tout ce qu'ils se bouffent. Faut quand même être sacrément motivé. Non, je prends beaucoup quand même là. Non, il a un ignite. Mec, il est pas fun. Et j'ai pas eu de stack. No stackos. C'est quoi le site là par exemple? Deep LOL, mais en soi, t'as LOL VVV,
T'as U.GG qui est peut-être plus chiant pour regarder les gros joueurs. Mais ça peut marcher. Il y a League of Graph aussi, je crois. Ouais, j'ai un stag, ouais, j'ai une stag, mais j'ai pas eu la stag que je. La deuxième que je voulais. C'est ça le vrai problème. Et en fait, on se crée le plus vite en maxant le. Clairement, je ressens déjà la. Le vrai truc. Bon, là en plus, on a une team div, donc c'est parfait, tu vois. Pro build est mieux. Non, pro build c'est vieux. Et mieux après, ça dépend de chacun, quoi. Moi, je préfère en ce moment LOL VVV. Mes préférés, c'est LOL VVV et Deep LOL. Après, celui que je déteste le plus, mais qui est toujours utilisé même par mon propre cerveau. Et au point. Au PGG, je vais y arriver. Mais le problème, c'est que. Ouais, avec toutes les pubs. En fait, c'est les pubs qui me cassent les couilles. Le site est bien sinon, mais. Tu peux même plus voir le site. Est-ce que les cookies sont mieux que vitesse d'approche? Profite des deux poulets, non? Oh, j'ai raté, bon. Il a tout pris. Pas grave, tank. J'arrive, direct. Gauche, droite, gauche, droite. Moi qui mets les droites. Ah, il y a quand même beaucoup là. Le Timeken, ce Shad, il a voulu jouer avec moi. Oh, le Graves. J'ai eu peur pour lui, là. Vous avez tué un ennemi. La Shana qui veut Poco Z. Tiens, regarde, par exemple, ils font quoi, là? Oh, vous allez être heureux. Il y a du Sterag dans son stuff. Il a fait... Bon, il a fait une fois. Mais sinon, côté pineuse, rendement... Des trucs comme ça, quoi. Ouais, il a fait un Sterag. Attends, pourquoi il a fait Sterag? C'était quoi en face? Galio... Cassante, Nunu, Puck. Après, c'est son last item. Il a fait une plaque du mort aussi, d'ailleurs. J'avoue que plaque du mort, à chaque fois, je suis en mode, il y a d'autres items qui sont mieux. Moi, les gars, je suis les challengers. S'il fait plaque du mort, je fais plaque du mort. Mais je trouve à chaque fois qu'il manque un tout petit peu cette mobilité, mais... Vous avez un peu une... Ouais, en vrai, on est un peu... On fait mémuse un peu. C'est vrai qu'elle est pas win, en vrai. Ouais, LOL VVV, c'est pas très connu en France, mais c'est un très bon site, je trouve. C'est un très très bon site. Non, en vrai, par contre, le Sterag, j'avoue que... Dans... Bon, pas beaucoup de cas de figure, mais... Tu vois, notamment cette game... Il y a un truc. Oula. Attends, mais. Non, ce serait broken. Non, oui, ça donne pas autant d'attaque bonus. Donne. Lâche ça. Tu veux plus rentrer. Non. Pourquoi il a fait ça? Il est fou. Il a voulu me gnoni pour me sauver, mais il n'y avait pas besoin. C'est mon meilleur Z. Elle nous fait des masterclass à des moments... C'est moins stylé. Coup de tête. Aïe. Aïe. Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est trop bien d'apprendre encore plein de trucs. En regardant les autres, hein, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend, mais...
Nioni les frissons. C'est les meilleurs. Hein. Ouais, le Tamkench, il a misclick sur la fin, mais ça a été le goat dans la game. Hein. Vraiment, il était trop fort. Hein. C'était marrant. Non, franchement, bon, c'est que la première game, évidemment, mais. Mais, ok. On prend des notes, on prend des notes. Bon, j'avoue que Lucien, on l'honore parce qu'il faisait partie de l'équipe, mais. Il était gentil, quoi. Elle était marrante, la draft. Mec, le Tamkench. Ah non, c'est un main Tamkench Schmidt? Non. Ah si, en vrai, attends. Il a l'air de le jouer quand même. Ouais, mid lane. Mid lane. Ok. C'est un main jungle et main Tahm Kench mid. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? En vrai, marrant. Par contre, s'il prend pas le cuirassé, il explose. Hein. Et tu vois, il a fait une game Warwick, il a pas kiffé. Je pense qu'il y a une game dans son historique qui a pas de cuirassé. Je le comprends.